Une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une présentation de luminaire, donc une torne pilotine, donc de couleur jaune. Voilà, donc, voilà cette couleur-là. Donc à les nettoyer un peu que ce que j'ai pu faire, je referai un petit peu après la vidéo, c'est parce que j'ai voulu faire la vidéo rapidement, donc j'ai nettoyé le plus gros. Voilà, donc le capot qui a été refait, donc qui brille, voilà. Donc je vous montre les côtés, voilà le côté. Le dessus ainsi que l'autre côté. Donc elle est ouverte hein, forcément parce que comme ça sera plus facile de l'ouvrir pour vous la montrer. Voilà. Donc voilà. Un peu avec la bride de fixation. Ouverture de la vasque. Donc voilà, bon, il y a quelques merdouilles, c'est pas trop normal, mais bon, je sais pas pourquoi c'est là. Donc l'intérieur de la vasque. Je sais pas pourquoi il y a quelques merdouilles, mais bon. L'intérieur est propre. Donc voilà la lampe. Donc c'est une radium. Voilà. Voilà, donc une radium de 100 watts. Donc elle est en bon état. Hein. Ça va, ça va. Hop, je vais vous refermer la vasque. Donc cette torne pilotine, elle n'a plus qu'un crochet. Hein, parce que vous savez que les crochets chez Torn ou Eurofan. Enfin, c'est une torne pilotine Eurofan en fait. C'est entre Torn et Eurofan. Donc je dis Torn, mais c'est un peu plus Eurofan. Donc vous savez que les crochets chez Torn c'est de la merde, donc le crochet bah il a cédé, je l'ai eu comme ça. Hein. Donc voilà, donc maintenant je vais vous l'ouvrir. J'aurais pas dû... Attendez, je vous l'ouvre, je vous pose 30 secondes et je vous l'ouvre. Attendez, hein. Il va falloir que j'ouvre un peu la vasque, donc pour l'ouvrir c'est simple. On ouvre un peu la vasque, on tire sur le capot, attendez je vous pose. On tire sur le capot. Voilà, je vous reprends. On assume bien une ouverture sur la vasque. On tire sur le capot. On tire. La vasque, elle s'est prise dedans. Hop. Je dois pousser la vasque à une main. C'est pas pratique. J'ai galère à une main. Bon, je vous pose 2 secondes. Voilà. Donc ça fait du bruit, c'est normal, mais bon, voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc voilà, donc pour ouvrir c'est très simple, il fallait tirer, donc voilà, ça, tout ça c'est des petits coups de qui s'est fait à force des ouvertures des techniciens d'éclairage public. Et puis que moi aussi j'ai ouvert, mais moi j'ai pas fait de coups, mais eux ils ont dû ouvrir par là, moi j'ai plus ouvert par là et là. Et puis enfin voilà, donc dedans, voilà donc le fil qui passe. Là ici c'est le raccordement amorceur jusqu'à la douille, amorceur ballast jusqu'à la douille. Pareil, le même raccordement, donc voilà. Donc pilote T1, bon c'est une pilotine, mais à mon avis ils prennent les mêmes ballasts que pour les pilotes, pour les mettre dans les pilotines. Donc pilote T1, sainteté 100, RVCP, RACP, vertical extensif 6 mètres à mon avis, vertical intensif 5 mètres, longitudinal 8 mètres. Donc voilà le numéro de série, le numéro de lot. Donc dedans on n'a pas un ballast d'origine, on a un ballast Philips, donc je ne vais pas pouvoir vous l'enlever, mais c'est un ballast Philips, voilà ce que ça donne. Ainsi qu'un condo qui date de 94 que je ne vais pas débrancher parce qu'il est assez récent. Il n'est même pas jaune et rien du tout, donc je le garde. Et un amorceur de chez Torn. Voilà. Donc voilà l'ensemble un peu du luminaire. Hein. Voilà comment ça se présente. Le dessus avec le filtre charbon ici. Donc on a l'impression que c'est sale ici, mais pas du tout en fait. Ça ne s'en va pas, regardez. Je vais prendre un peu de salive. Ça ne s'en va pas. Y a rien qui s'en va, donc c'est en fait c'est dedans, c'est en plastique, c'est incrusté. Hop, et pour refermer, on pousse. Voilà, je vais pas la refermer complète. Voilà, donc je vais vous l'allumer. Je vais refermer la vasque. J'ai pas peur que ça fonde ou quoi parce que c'est une vasque en métacrylate et elle fond pas. J'ai déjà essayé, donc je vais vous l'allumer. Donc pour ça, le truc c'est que ma fiche elle est pas longue du tout. Donc 3. 2, 1, c'est parti. J'envoie la patate. Voilà, donc elle s'allume. Voilà, donc ça s'intensifie, l'orange. Je vais vous montrer le côté. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc c'est une lampe qui est récente, hein, donc elle est pas, elle a pas de mal à s'amorcer. Donc elle a quelques égratignures, hein, mais ça, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, et un petit pet à l'avant léger.
Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai pu avoir la pilote par Julien Delacour de la chaîne EGEP. Donc allez voir sa chaîne. Tapez EGEP dans la barre de recherche YouTube et vous trouvez tout de suite. Donc il fait des vidéos sur l'éclairage public et tout ce qui s'allume. Donc voilà ce que ça donne de côté du dessus. Donc voilà. Donc j'ai eu la pilote grâce à lui. Et moi je lui ai donné une pilotine. Et je vous ferai aussi une vidéo sur la pilote. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ça éclaire pas trop mal. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao!